juste plus qu'on appelle une star montante. Bon, là, je suis à Canoës. Ça va évoluer, attends. Dans une semaine, Marseille, Toulouse, Casablanca, Bamako, j'en sais rien, mais pourquoi pas? Tu sais pas, je sais pas. Alors, star pourquoi? Parce que bon, les gens, ils me regardent, ils disent, bon, c'est une star, mais c'est qui ce connard? Je t'explique, bouge pas, je vais expliquer. Bonjour, bonsoir les amis du journal catalan, on est toujours à Canoës, au théâtre du Réflexe. Et on est avec Kamel. C'est ça. Kamel, bravo. Tu viens de Paris exprès. Je viens pour de Paris. Sur scène à Perpignan. Exprès, j'ai pris mon train aujourd'hui, 5h30 de train. J'ai quitté la pluie, je suis arrivé au soleil, ça me fait plaisir. T'as pas profité quoi en fait? Si, si, j'ai été boire un verre sur la place là, de la gare, je sais pas quoi, mais c'était bien, c'est super d'accord. Sympa. Et tu repars demain, j'imagine? Demain matin, ouais. T'as demain du boulot, matin. Tu es comédien? Je suis comédien, spectacle, scène, cinéma. Ma gueule ou quoi? J'ai fait des études. Il m'a dit, ouais, en France, si tu veux bosser, faut pas faire d'études, faut faire des pompons. Il a pas tort, il a pas tort. Quand tu vois Carla Bruni, où est-ce qu'elle est arrivée juste au pompon, il peut se passer un truc. Je fais quelques films, mais j'aime pas me vanter, mais bon, si t'insistes... C'est bien, c'est bien. Bah si, pose-moi des questions. Mais oui, alors que, dans quel film tu as joué, peut-être? Ah, ouais, mais bon, il fait pas son boulot, il regarde pas ma filmographie avant de commencer, on fait comment? Non, on fait connaissance, on est là exactement, pour ça. Exactement. Alors, j'ai tourné dans le film Paulette avec Bernadette Lafont. Donc c'est la vieille dame, c'est qui vendait du shit. Hein. J'ai fait pas mal de films au cinéma, dont notamment le film Paulette. Avec Bernadette Lafont, dedans, j'étais donc cette vieille dame qui vendait du shit. Et moi, je lui ramenais le shit. Voilà. C'est un rôle d'arabe, je sais, mais j'ai commencé comme ça. Alors, j'ai été voir le directeur de casting. J'ai dit, ouais, mais bon, t'as pas autre chose, t'as pas un rôle de notaire, de médecin. Il m'a dit, arrête tes conneries. Il m'a dit, écoute. Il me dit, en tant que comédien, prends ce qu'il y a à bouffer. Ramadan, ça peut être demain et ça peut durer longtemps. J'ai dit, pourquoi pas. J'ai vendu du chiffre. T'étais avec les jeunes, là, dans l'appart? J'étais le chef des jeunes, quand même. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Quand même. Parce que, bon, rôle de merde, mais j'avais quand même un truc pas mal. Sinon, dans les autres rôles de merde que j'ai fait, la série Mafiosa, tu connais? Non. Là, toujours, t'étais du côté des. À Perpignan, il n'y a pas Canal Plus ou c'est payant? Non, capte pas ici, nous. Toujours les méchants. J'ai demandé, moi, à faire des rôles de notaire. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Bon. Des rôles de. Voilà, donc pareil, rôle de voyou, j'ai fait ça. Quand je vois les blagues, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'ai juste vu une petite blague dans le milieu. Kirikou, viens là-bas, Kirikou, Kirikou. Souris, je te vois partir. Si bien. Non, mais si bien, parce que c'est vrai qu'on dirait une belle boîte d'écran de couleur, mais il y a beaucoup de foutre blanc quand même. Kirikou, tu fais ta chambre. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'ils ont foutu l'autre blague en haut là. Bon, tiens, en hauteur des cocotiers, je sais pas. Mais chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Quelqu'un fait ce qu'il veut. Alors bon, c'est vrai que vous, les blagues, il y a un problème quand même, c'est que le mot qui est censé vous défendre, il vous insulte. Négrophobie, n'importe quoi. T'imagines, toi, mais Jules, tu vas dire youponphobie, tu peux pas dire ça. Saisie sur salaire en wifi, t'es morte, tu peux pas dire des trucs comme ça. Imagine un arabe, tu dis bougnoulophobie. Mais tu vas te faire attaquer, pas au tribunal, pour de vrai, tu peux pas dire des trucs comme ça. Par contre, les blagues, vous pouvez y aller. Une chance sur 5 d'aller au tribunal, quand bien même tu vas, tu ressors avec un CD de Magic System. J'ai fait les Lascar saison 2, j'ai fait les intégrations. Moi, j'ai fait tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que tu fais ce soir ici à Perpi? Alors, Perpi, moi, je. Tu joues sur la scène du Perpi Comedy Club. Exactement, Perpi Comedy Club. Donc, le concept, c'est quoi? C'est il y a des jeunes de Perpi. Alors, moi, le concept. Et on fait venir aussi. Je l'ai découvert 5 minutes avant d'arriver. Des super pros comme toi. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai découvert un petit peu avant d'arriver. Sur scène, on est 4 sur scène. Ce soir. Donc, il y a deux artistes et talents locaux que j'ai rencontrés là dans les loges. Très sympa, il y avait une jeune demoiselle avec des atouts de demoiselle assez sympa. Ouais. Hein. Voilà, très bien, un jeune homme. C'est un message personnel, ça. Ouais, je pense, je dirais. Bon, on lui dira. Et donc ensuite, des guest stars, comme toi par exemple. Guest stars, c'est quoi ce que tu fais? C'est du stand-up, c'est ça? Des blagues, alors, tu racontes des blagues? Stand-up, il y a des, comment dire, des panneaux avec des histoires. Il y a aussi des personnages, mais là je peux pas les faire par rapport à un laps de temps, il y a 20 minutes. Et après, bon, par rapport à la mise en scène et tout, donc on arrive. Après, il y a aussi un ami de Toulouse qui va, que vous allez rencontrer dans quelques instants, qui lui aussi va faire 20 minutes. Donc, ouais, il va y avoir des blagues. Alors, ce qui est marrant, je pense qu'on est beaucoup à le faire, c'est que souvent avant de monter, je sais pas exactement ce que je vais faire, parce que j'ai un spectacle d'1h20. Et après, je pioche. D'accord, selon... tu vois aussi comment tu vois, ça répond magnifique. Voilà. Bon, écoute, on va voir ça. Hein, et puis, tu nous tiens au courant de l'actu. Si tu redescends dans le coin, tu nous fais signe. Ah, bah, vu l'accueil, moi, je reviens tout de suite, hein, pas de problème. À bientôt. Tiens, merci à vous. À bientôt, quand même. À bientôt, merci. Allez, bonsoir. Allez, on se fait la bise, tiens. Oh, j'adore Perpignan.